La soupe. Bon, là, elle est un peu épaisse, hein, mais après, vous faites, vous pouvez mettre un peu plus d'eau si vous voulez l'alléger un peu, quoi. Et vous servez ça, donc, soit comme ça, soit vous pouvez mettre des rondelles de bacon grillées ou des lardons ou ce que vous voulez, ce que vous aimez. Voilà, moi, je la laisse comme ça parce que c'est pour moi, c'est moi qui vais la manger. Donc, voilà. Et c'est très bon. Alors, ça n'a pas forcément le goût de chou-fleur, vous voyez, ça peut être surprenant, mais les feuilles n'ont pas le goût très prononcé. Là, on se retrouve, donc je poursuis, hein, c'est la journée cuisine. Je vais faire des crêpes mille trous. Donc là, vous allez avoir besoin de 225 g de semoule extra fine. C'est vraiment extra fin, extra fine. Ensuite, vous allez avoir besoin de 100 g de farine, un sachet de levure boulangère, un sachet de levure chimique. Et moi, je vais ajouter de l'arôme de vanille. Si vous n'avez pas, vous mettez un sachet de sucre vanillé. Une pincée de sel et 600 ml d'eau tiède que j'ai déjà mis dans mon blender. Moi, je le fais au blender parce que c'est plus facile. Voilà. Donc, si vous faites au blender, vous mettez l'eau avant. Sinon, ça va faire des paquets. Vous mettez tout dans le blender. Une petite pincée de sel. Vous mettez votre levure. Ensuite, vous mettez votre vanille. Alors là, vous mettez un peu. Moi, je mets un peu au pif, hein, je l'aimerais. On va dire une cuillère à soupe. Et on mixe tout ça. Donc là, on va se retrouver pour cuire les crêpes. Bon, j'ai déjà commencé. Donc moi, je prends une mini poêle comme ça. Parce que j'aime bien quand elles sont petites. Donc, vous pouvez prendre une grande, hein, ça n'a aucune importance. Et vous cuisez ça exactement comme des crêpes, sauf que vous la cuisez que sur un côté. Voilà. Et en fait, on ne la retourne pas. Et quand il y aura plein de petites boules, vous voyez, ça bulle. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Hop. Voilà, ça fait plein de petites bulles. Et sur la paroi, ça sèche. La différence, ben, je vais essayer de vous retourner. Voilà, vous voyez, ça sèche bien sur le côté. Et quand ça sera toute cette couleur-là, et ben votre crêpe elle sera cuite. Voilà, c'est la différence. Et vous la cuisez que sur un côté en fait. Voilà, donc on va attendre gentiment. Je vais vous mettre en pause, ça va prendre un petit peu de temps. Ben, longtemps, longtemps, mais un peu quand même. Bon, vous voyez, ça sèche bien. Il reste encore un petit peu là. On attend qu'il n'y ait plus rien. Donc voilà, pour moi c'est bon. Et votre crêpe est prête. Et voilà ce que ça donne. Allez, je continue. Bon voilà, on se retrouve, la journée de cuisine est terminée. Donc pour l'entrée, je nous ai préparé donc des carottes râpées avec des œufs durs. Bon, il y en a plusieurs, mais il y en aura pour demain soir pour nous. Avec donc des carottes râpées que je n'ai pas encore fait l'assaisonnement. Parce que si en cas ils n'en veulent pas, on ne sait jamais. On verra ce soir, le moment venu. Bon bah ça c'est ma soupe, elle n'est pas encore refroidie. Bon, j'en ai bu un bol tout à l'heure, c'est très très bon. Donc voilà mes crêpes mille trous. Voilà, donc ça sera un petit plus ou pour demain matin, un petit déjeuner, on verra. Donc là, j'ai fait la sherba. Bon, ça c'est le rituel. Et là, j'ai donc fait
des haricots blancs. Voilà. Avec du veau. Voilà pour le repas de ce soir. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. On se retrouve dans ma salle de bain. Alors, je vais vous parler d'un produit. Donc, j'ai collaboré avec la marque Wide. Donc, ce sont des déodorants naturels, écologiques, économiques. Donc, il n'y a aucun produit chimique type sel d'aluminium ou parabène dedans. Hein. C'est que du beurre de karité, de l'huile de coco. Donc, c'est plutôt très bien. Au niveau de la peau, c'est parfait. Moi, ça fait une semaine que je l'utilise, j'en suis très contente. Je sens bon toute la journée, hein. J'ai pas d'odeur particulière. C'est très agréable, c'est pas entêtant ni quoi que ce soit. Moi, j'aime beaucoup. Aucun souci, ni de gratouille, ni de quoi que ce soit. Franchement, c'est très très bien. Donc, cette société fait des déodorants et des gels douche. Donc, très bien, puisqu'on économise donc du plastique, hein, puisque c'est un stick rechargeable. Donc, c'est plutôt très bien. Une fois que vous avez votre recharge, vous êtes tranquille un moment, car ça dure un bon bout de temps. Bon, moi, ça fait une semaine que j'utilise, mais c'est... Voilà. Pour le moment, ça ne fond pas comme neige au soleil. Voilà. Et vous pouvez donc commander les sticks de partout, hein, c'est disponible dans le monde entier et vous avez aussi éventuellement un système d'abonnement pour recevoir automatiquement, mettons si vous en utilisez un par mois ou deux ou trois, enfin peu importe, vous pouvez recevoir ça automatiquement dans votre boîte à lettres. Donc c'est très très bien. Donc c'est des produits végétales. Donc voilà, le voilà, donc je le trouve vraiment très joli, regardez ça, il a une belle couleur parme très claire. Donc le stick s'ouvre tout simplement, ça va très facilement sous vos aisselles, voilà. Donc pour le tourner, bah bien bon, c'est pour le faire monter et le faire descendre. Donc quand on met la recharge, ça s'enclenche très facilement à l'intérieur et les papiers sont recyclables, c'est compostable, pardon. Donc voilà, moi je le trouve très joli, je suis très contente. Vraiment, alors vous allez avoir un code promo qui est Céline20OFF, si ça peut vous intéresser, bien évidemment. Donc voilà les recharges, oui c'est tout petit, donc vous allez juste enlever le carton qui est autour et le mettre à l'intérieur, donc, mais tout est bien expliqué, vous avez une petite fiche explicative, donc c'est vraiment très très bien. Donc... Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est petit, qu'on peut l'enclencher, le mettre n'importe où. Vous voyez, celui-ci, par exemple, là, c'est un petit cadeau en plus. C'est le poche, en fait. C'est grand comme un rouge à lèvres. Donc, vraiment, vous pouvez le mettre dans une poche, dans votre voiture, dans un sac à main, enfin, n'importe où. C'est vraiment très, 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 très pratique. Donc, je trouve ça très intéressant. C'est l'efficacité du produit, la protection, quand même, de ne pas sentir mauvais. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'en suis très contente. Donc les recharges sont en bambou. Donc, c'est... voilà, moi, je suis vraiment satisfaite et très contente. Donc, je remercie encore la marque de m'avoir fait confiance. Et je vous en reparlerai de toute façon très prochainement. Et pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas surtout à me demander et me poser les questions désirées. Bon, voilà, je vous reprends. Voilà, j'ai fait les cheveux, ça y est, j'ai fait la coloration. Sur les cheveux blancs, il y en avait, hein. Ça a commencé à se voir. Bon, là, je pense que ça sera la dernière avant... parce que pendant l'été, en général, je n'en fais pas. Donc, on va voir, le beau temps arrive. Voilà. Je vais faire un petit bisou à Mamie Isa Anderson. Je viens de voir sa vidéo. Elle comprendra. Bon, j'espère que pour vous ça va, que vous avez passé une bonne journée. Bon, là, il est tôt encore. Hein. Oui, il est 11h30. D'ailleurs, le facteur vient de passer. Encore. Je veux dire, ça n'arrête pas. J'ai reçu une jolie enveloppe. Ça, c'est... j'étais surprise parce qu'elle ne m'a rien dit du tout, la coquine. C'est Sandra de la chaîne La Voyance des Cartes. Je vous mettrai son... C'est un petit truc. Je vais l'ouvrir devant vous parce que je viens de le recevoir.
comme c'est une lettre sous vis, c'est le facteur qui est monté. Ah, attendez. Ah bah dis donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous lire. Là, je lis vite fait et puis... Non, je peux vous le lire. Excusez-moi. C'est ma journée émotion encore aujourd'hui, hein, décidément. Ma belle Céline, Ilan et Léon. Alors, bonjour ma belle Céline. Ça faisait un moment que tu aurais pu t'appliquer pour l'écriture. Hein. Franchement, t'as écrit ça vite fait. Hein. J'ai du mal à relire. Je blague, hein, bien évidemment. C'est pour me détendre un peu. Bonjour ma belle Céline. Ça faisait un moment que je voulais te fabriquer un de mes petites mains pour toi et ton fils Ilan, ces deux bracelets que je vous ai magnétisés pour qu'ils vous soient protecteurs. Celui pour toi, Céline, que j'ai confectionné est en quart rose et cristal de roche, pierre doublement protectrice et apaisante pour toi et calmante. Merci. J'avais besoin. Et pour Ilan, ce bracelet en perles noires et cristal de roche pour aussi une grande sagesse et calmante et éloigner ses crises d'asthme. Merci beaucoup. Et très protectrice. La nuit à poser près de la table, sur la table de nuit, à éviter de les porter, à éviter même sous la douche. Si oublié, frotte vos mains et tenez les deux mains fermées, le bracelet, du coup, quelques secondes. D'accord. Donc, il faut le tenir dans les mains, si j'ai bien compris, pour que... D'accord. Ça va te donner de la motivation à toi, Céline, et aussi à Ilan. Je suis contente de mes réalisations. Je t'apprécie énormément, ma belle Céline, et même comme mon amie de cœur. Merci beaucoup. Et ton fils est exceptionnel et l'amour qu'il a pour toi et toi pour lui me provoque beaucoup d'émotions et de joie. Je vous embrasse toutes les deux. Oh, ben oui. Je ne sais pas si on se verra un jour, même si ton fils veut venir avec toi et Léon dans le sud ou même où je suis actuellement. Je t'aime beaucoup, Céline. Prends soin de toi et Lana aussi, Sandra, avec un petit bisou, plein petit cœur. Merci beaucoup. Je vais encore pleurer. Je vais vous montrer. Je n'ai pas ouvert. Là. Ça va, j'ai les mouches. Oh! Oh! Regardez ça. Oh, il est très très joli. Oh, merci beaucoup. Moi, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Comme ça, il va me faire du bien tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Attends. Je vais vous montrer celui d'Ilan. Il n'est pas là, il est à l'école. Donc, je ne peux pas... Waouh! Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Ils sont très beaux. Je donnerai Ilan quand il rentrera tout à l'heure à midi. Il fera un petit coucou. Voilà. En discrétion. Voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil. Oui, décidément. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais t'envoyer un petit message. Voilà. Bon, ben voilà. Sinon, moi, j'ai préparé mon petit bol de soupe. Je vais manger un petit peu de soupe là ce midi. Bon, après, j'ai rien à faire parce qu'il y aura beaucoup de restes d'hier. Hein, parce qu'on n'a pas... Bon, on a mangé, mais bon, voilà. J'avais prévu d'en faire un peu plus pour aujourd'hui. Comme ça, je n'aurai rien à faire. Je la coupe dans le vent. Là, je vais aller promener mon fou. Il va super bien. Allez, on. Tu vois comment t'es beau? Il est content? Non, il va mieux. Ça y est, c'est passé. Il a pris son traitement. Le lendemain, il courait comme un lapin. Je pense que c'est ce qu'il avait. Qu'est-ce que tu t'es mis sur le dos, là? Normalement, il n'y a pas de travers. Hein. Je ne sais pas, il s'est mis un truc sur le dos, là, faire que je le brosse. Il va pas se laisser faire, il va me manger. Il va me croquer. Donc voilà. Bah, écoutez, sinon, bah, ça va être tout pour aujourd'hui, je pense, parce que franchement, voilà, j'ai rien fait de spécial.
Demain, je vais au travail. Et puis, bah, de toute façon, je reprendrai sûrement un petit coup. Je verrai combien de temps ça dure la vidéo. Et puis, dès que je vous mettrai un petit truc derrière. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vais vous faire plein de bisous. Je vais aller promener mon fauve. Et puis, on se retrouve donc pas bientôt, hein, comme d'habitude. Allez, à plus tard. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce mardi, donc je suis en pause, hein, comme vous avez vu, voilà, je viens de crocheter un petit peu. Bon, il n'est pas fini, hein, mais c'était pour vous montrer un peu avancé. Là, je vais attaquer les manches. Mais il va être sympa. Il va être sympa. Bon. Donc, je l'aurai fini demain, je pense. Ça va vite les manches. Après, j'aurai une petite encolure à faire et puis je verrai après si je transforme les manches, je vais voir. J'ai une petite idée, je vais essayer. Voilà. Donc là, on se retrouve un petit peu en cuisine. Je vais préparer une farce pour ce soir parce que ce soir, je vais faire des petits feuilletés. Donc, je vais vous la mettre là parce que c'est rapide. Je vais juste faire une petite farce. Je vais laisser refroidir comme ça. Ce soir, quand j'entrerai, j'aurai plus qu'à préparer mes petits feuilletés que je ferai cuire. Je vais essayer à l'air fryer. Donc là, je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Donc en épices, moi, je vais mettre du curcuma, mince. Du gingembre moulu, du sel, du poivre, bon, la viande hachée que j'ai sortie du congélateur, ça a été décongelé, je vais remettre ça, je vais sortir du frigo. Des poivrons, alors moi je les avais prédécoupés, mais je vais les couper en tout petits bouts, je vais peut-être même les mixer, je vais voir, parce que moi il faut pas qu'il y ait des bouts, trop de bouts. Et des carottes, râpées aussi, il me reste un peu, donc je vais en passer dans la farce. Je vais mettre de la coriandre, là c'est de l'ail en cube que je congèle, que je surgèle, et je vais découper un oignon. De la pâte feuilletée. On se retrouve devant le gaz. Donc là, vous mettez votre oignon. Enfin, moi, c'est ce que je mets, mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose, hein. Moi, je mets des poivrons et des carottes, mais les carottes, c'est pas indispensable. Mais ça fera des légumes cachés. Vous mettez ce que vous avez. Vous pouvez mettre des morceaux de courgettes, vous pouvez mettre selon vos goûts. Non, je vais faire revenir tout ça. Il faut vraiment que ça soit, enfin pour nous, moi il faut que ce soit bien cuit, hein, pas croquant. Donc je vais laisser ça mijoter un peu tout doux. Je vais y mettre alors un petit peu de sel, un petit peu de poivre, suivant votre convenance. Toujours. C'est rapide, hein, une fois que tout est coupé. Ensuite, je vais mettre une gousse d'ail et la coriandre. Ou du persil, si vous n'aimez pas la coriandre.
Bon. Là, je vais laisser ça à couvert pendant bon, peut-être une petite dizaine de minutes et après, je vais rajouter ma viande hachée. Donc, on se retrouve à ce moment-là. Moi, ça commence à bien. Pour moi, ça va être bon parce que là, je vais refaire cuire la viande avec. Donc, je pense que ça va être suffisant au niveau du temps. Donc, là, je vais ajouter ma viande hachée. Là, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre hein, ce que vous voulez aussi en viande, hein, bien évidemment. Tant que c'est de la viande hachée. On va bien remuer tout ça. Je ne sais pas me salir. Voilà, je vais enfiler ça vite fait parce que je vais finir par faire une tâche. Alors, on remet tout ça. On va y ajouter les épices. Donc, vous mettez celles de votre choix. Hein. Moi, j'ai mis ça, mais vous pouvez aussi ne pas en mettre. Hein. Donc, moi, je vais mettre une demi-cuillère à café de gingembre curcuma. Et je vais en mettre une petite cuillère à café. Comme toujours. Donc là, je vais laisser ça cuire jusqu'à ce que ma viande soit cuite complètement et que ce soit bien sec. Faut pas de la sauce, hein, faut pas du jus. Mais bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on rajoute pas d'eau. Hein. C'est juste l'eau des légumes. Hein. Et une fois que ça sera tout cuit, vous mettez ça de côté. Et vous attendez que ça refroidisse. Et pour nous, ben on se retrouvera dans ce soir. Ben, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ça sera ce soir. Voilà, vous laissez ça bien mijoter tout doucement. Là, je vais baisser le feu. Il ne faut surtout pas que ça brûle. Parce qu'après, ça va passer au four. Hein. Alors moi, je vais faire dans l'air fryer. Enfin, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Mais pour vous, si vous mettez au four, vous mettez ça après à 180 degrés. C'est histoire de dire de faire la cuire à la pâte feuilletée, en fait. Hein, parce que tout sera cuit déjà. Juste les dorer et puis voilà. Donc voilà, moi, je vais mettre ça à couvert. Et je vais laisser ça mijoter peut-être un petit 10 minutes. Je vais voir. Donc, on se retrouve pour vous ce soir. Donc, nous nous retrouvons. Alors, j'ai déjà commencé. Je vais vous montrer comment je vais faire ça. Donc, ce sont vos pailles feuilletées. Moi, j'ai pris des petites. Alors, si vous n'avez pas des carrés, ça, j'avais pris des carrés, c'est plus facile. Mais vous pouvez prendre une rectangulaire et vous faites vous-même vos petits carrés. Donc, moi, je vais mettre du fromage. Vous risquez d'entendre un petit bruit derrière. C'est le air fryer qui est en préchauffage. Donc moi je mets ça, mais c'est pas une obligation. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Alors, je mets un petit carré comme ça dans le fond. En plus c'est un bon repère. Vous mettez votre farce froide. Alors on essaie de pas dépasser le, pas trop dépasser le carré de fromage. Ça sera plus facile pour le pliage. Voilà, on fait comme ça. Vous mettez votre petite farce à peu près. Bon, ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave, hein, mais voilà. Comme ceci. Je vais remettre un fromage par-dessus.
J'arrive. Alors, comme ceci. Ensuite, ben, on va replier les bords. Si vous voyez bien, oui. Ça va aller, excusez-moi. Ah, bah dans ce coup-ci, je vous fais tomber. Oh. Attends, je vais trop haut. Hop. Là. Bon, j'essaierai de couper ça au montage. Alors. Vous rabattez vos bords. Vous appuyez un petit peu là, par-dessus. Là aussi. Là. Comme ceci. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Donc voilà pour moi. Il y en a... bon, il me reste un peu de farce, mais je ferai autre chose. Je ne sais pas quand. On verra. Mais bon, ça se garde facilement en frigo. Bon, pas 6 mois, évidemment, mais 2 jours sans problème. Donc voilà mes petits feuilletés. Et là, je vais mettre donc un jaune d'œuf, enfin, de l'œuf que j'ai battu. Un peu partout pour que ce soit joli. Bon, moi je vais ajouter un petit peu de sésame doré, mais bon, c'est pas une obligation, hein. Bon, ce sera un petit peu joli et puis on aime bien un côté un petit peu croquant. Et voilà, et je vais les mettre dans l'air fryer. Donc voilà, les petits feuilletés. Bon, j'ai mis ça avec une salade, hein, c'est ce qu'on avait prévu, avec de la soupe pour ce soir pour Ilan. Moi aussi, mais pas. Moi, je mangeais la soupe de chou-fleur, enfin de fan. Donc voilà, un petit peu la jolie assiette. Donc voilà, un petit plat tout prêt, vite fait, bien fait et savoureux. Bon, moi je vais vous laisser, je vais fermer ce vlog ici parce que ça fait déjà un moment que ça dure, hein. J'ai vu. Donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite donc une très bonne journée à vous tous. Tout dépendra de l'heure où vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt et prenez bien soin de vous.